ni kama mulima wa Sayuni usiotikisika milele. I robri no se la conda bacaista. Rima bosse conda namaste reka. Alustere barunda baosu. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Je sens dans mon cœur que Dieu sera en train de visiter quelqu'un. Je serai en train de toucher la vie. Je serai en train de visiter une famille. Alors que tu es en train de prier, concentre-toi sur Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Je suis disponible à être visité. Ah, je suis disponible à recevoir de toi. Je suis disponible à être touché par toi. Rebrunda baos. Maricondo la iconde rebosta. Ribrose rebosta careva baba. Imanta maya rebosta. Imarabosta. Naya Shabra terebosta. Kolukanani ako memelanga imikumba. Namiela kiawa lokola moto abozi tuebele. Oui, alors que tu es en train de parler à ton Père ce matin. Ah, il est en train d'intervenir dans ta vie. Arabosh. Koluka ba pesanga tali chombe. Sobroto no rababa. Bikuke ya lo le fongwa melimbali. Sabri abosha ibaba bos. Bikuke ya lo le fongwa melimbali. Jésus, ce matin nous sommes là pour toi. Jésus, ce matin nous sommes là pour te rendre un culte. Ce matin nous sommes là pour te lever. Ce matin nous sommes là pour ne regarder qu'à toi, Jésus. Ce matin c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est toi que nous sommes venus, Jésus. Moto baseka kilobi lelo bikuke ya lole fongwa miye. Bikuke ya lole fongwa miye. Moyo kilo sambo ayano lingaye. Bikuke ya lole fongwa miye lingaye. Bikuke ya lole fongwa miye lingaye. Yawe. Soye, soye, epaina yo kolo. Biso totiki makaku Yesu. Salabika mwa felo lelo. Soye, soye, epaina yo kolo. Biso totiki makaku Yesu. Salabika mwa lelo lelo. Papa singa ma obligation na sala ba test. Toye, toye, epaina yo kolo. Biso totiki mandaku Yeswe. Salabika mwa lelo lelo. Yesu toye, toye. Nous avons décidé de venir.
Salabika moi lelo lelo Si tu pourrais encore une fois répands ton onction sur nous, nous promettons d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Imarunda isona mekando na casa, makendo na basende los tonariga noias. Dele mestone le kunde le castona, mandona kendo la isebro sotani. Comme les disciples dans la chambre haute, descend ton onction, Seigneur. Nous promettons d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Que c'est Jésus qui nous est apparu, revient encore, encore une fois. Le Dieu de nos intimités revient encore, encore une fois. C'est Jésus qui m'a visité, revient encore. Le Dieu de ma chambre revient avec la prière. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? On va prier. J'aimerais que l'on puisse prier pendant quelques minutes. Ceux qui ne parlent pas d'autres langues peuvent commencer à parler à Dieu en élevant le trône de grâce. Mais ceux qui peuvent parler en d'autres langues peuvent parler en d'autres langues. Brasile membre vania arabalia berasalia berina brasile brasile arabalia vania berasali ala bosh ala baya da bosh ala bosh ata baya erre kete kete berre da bosh erre vlai da bosh kala ba 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 erro so vlai da bosh ale pranto li ba. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut créer une atmosphère de prière? Est-ce que quelqu'un peut créer une atmosphère de prière? Est-ce que quelqu'un peut créer une atmosphère de prière? Calabron Taliba, elle est sonérable. À la bouche, à la bras. Et à son délibo, requer l'ivoire. Et son compagnie à gauche. À la barre, à Taliba. Et l'eau sauve la diable. Et la barre, à Silé.
Dans la chambre haute, il y avait une centaine de personnes qui avaient oublié maison, famille, qui avaient oublié leurs activités. J'aimerais ce matin que l'on puisse se donner à Dieu. Tu es peut-être bien habillé, tu as peut-être des soucis, tu es là, tu es venu peut-être parce que tu avais simplement envie de venir pour voir comment le culte allait être. Mais ce matin, l'Esprit veut que nous puissions prier un instant. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, continuer à élever sa voix? Somebody lift your voice. Et continuer à dire à Dieu, Seigneur, comme dans la chambre haute. Tell God is in the high room. Comme dans la chambre haute. In the high room. Comme dans la chambre haute. Like in the high room. Comme dans la chambre haute. Like in the high room. Comme dans la chambre haute. Like in the high room. Remplis ce lieu par ta présence. Fill this place with your presence. J'ai envie de voir cette femme prier. I want to see that woman pray. J'ai envie de voir cet homme prier. I want to see that man pray. Avec hardiesse, avec passion. With passion. Avec dévouement. With passion. Je pensais que quelqu'un était en train de lever sa voix. I was thinking that je veux voir la colère d'un homme. I want to see anger. Je veux voir la colère d'une femme. I want to see anger of qui veut voir Dieu agir. I want to see God. Koparani Azava. Gloire à Dieu pour ceux qui me regardent. Gloire à Dieu pour ceux qui prient. Thank you for gloire à Dieu pour ceux qui ont compris qu'ils doivent prier. Thank you for that that nous ne sommes pas pray. Ce matin venus. We are not here. Dans une association de sapeurs. In association of people that wear nous ne sommes pas venus ce matin. We are not here. Dans une fête des amis. In the body of friends. Nous sommes venus ce matin. We are here this morning. À la rencontre du Messie. To encounter the Messiah. À la rencontre du Messie. To encounter the Messiah. À la rencontre du Messie. To encounter the Messiah. Et Kabaya Sarabla. Alors que tu pries, acclame. Tu es en train d'acclamer et dire Seigneur, je veux te voir ce matin. Dans ce lieu, je veux te voir. Je veux te voir ce matin. Je suis fatigué de vivre cette situation. Je veux te voir. Yo yo yo. Yo yo yo. Je veux te voir ce matin. Kiba bwana yo yo yo. Yo yo yo. Je veux te voir ce matin. Ce matin, je suis là pour te voir. Kiba bwana yo yo yo. Ce matin, je suis là pour te voir. Yo yo. Je ne suis pas venu ce matin comme par bon Dieu. Yo, yo, yo. Mais je suis venu à la rencontre de mon Dieu. Calabara, sombre, diadeau. Et les bras de la vie d'adeau. Parabre, la vie d'adeau. Et la vie d'adeau. Que la vie d'adeau. Calabara, si Eva. Here we belong, qui va bon Dieu. Leike sobrania de varia sega le recline fora sembra mu quasi alea varia sore clearo sega sega mu quasi sega Jesus Jesus sega ce matin sega mu quasi je vais te voir ce matin je vais te voir ce matin sega je vais te voir ce matin. Je veux 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 te voir ce matin.
proche. Father, we thank you this morning. Ce matin, nous savons que tu seras en train de faire quelque chose de particulier. We know that you will do something particular. Ce matin, nous savons que tu seras en train de visiter une vie. This morning, you're gonna visit a life. Ce matin, nous savons que tu seras en train de visiter la vie d'un frère. This morning, you're gonna visit the life of a brother. Nous savons que tu seras en train de visiter la vie d'une sœur. You will visit the life of a sister. Une personne qui est venue ce matin avec des sujets de prière. Someone who came in this morning with a nous prions, Seigneur, que tu interviennes dans sa Father, vie. Father, we pray that you intervene in his life. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble avec les saints, together with the Holy nous acclamons one, pour la gloire du we Seigneur. Join our hands together for Jesus. On va tenir. On va rester debout pendant un moment. We're gonna be on our feet for a moment. On va lire la parole de Dieu. We're gonna read the Bible. Actes des apôtres. Actes of Apostles. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire la Bible de ton voisin. If you don't have a Bible, you can take the Bible of your neighbor. You can read together with him. Actes des apôtres 12. Acts of Apostles chapter 12. On va aller jusqu'au 14e verset. We're going to go to the 14th verse. Est-ce que vous y êtes? Are you there? C'est bon, on peut commencer. Can we start? Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Can we read together? Une, deux, trois, go. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Olives. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît, assemblée? Une, deux, go. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Olives. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut encore augmenter le volume? Je ne vous écoute pas. Can we read together? Une, deux, trois, go. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Actes des apôtres, on est ensemble. Actes des apôtres 12. Actes of Apostles. 12, 13, 14. C'est bon, c'est ça? 12, 14. Are we together? Actes des apôtres, c'est pas ça? Je peux avoir une Bible. Je peux avoir une autre Bible. Can I have another Bible? Louis Segond. Ça c'est Louis Segond. Non. Je peux avoir une autre. Actes des apôtres, premier chapitre. Acts of Apostles chapter 1. First Désolé. Chapter. I'm à partir du 12e verset. From 12th verse.
Actes des Apôtres, premier chapitre, je suis désolé. Acts of the Apostles, first chapter. À partir du 12e verset, 12e verse 12, jusqu'au 14e verset. To 14. Là, c'est bon? Are we together now? Je suis vraiment désolé. I'm sorry. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Une, deux, go. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can you jam your hand together for Jesus? Est-ce qu'on peut reprendre nos places? You can take back your seat. Je pensais que j'étais dans Actes. I was thinking that I'm le premier chapitre. In the book of Acts of Apostles, chapter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vraiment désolé. I am very sorry. Aide-moi à dire à ton voisin, sois la bienvenue dans Help la maison me tell de l'Éternel. Your neighbor, welcome in the house of the Lord. Alléluia. Amen. Tu es beau, tu es belle. You are beautiful, you are handsome. Alléluia. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es beau, tu es belle. Tell your neighbor, you are handsome, you are beautiful. Avec always. Des intentions pures. With pure intention. Avec des intentions saines. With righteous intention. Avec des intentions du royaume. With intention of the kingdom of the Almighty. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Particulièrement amen. Pour les frères qui ont des voisins, des voisines et non des voisins. Particularly the brothers that have. Et pour les sœurs qui ont des voisins. A woman. Alléluia. And for the sister that have neighbor that is a man. Alléluia. Amen. Alors comme j'ai venu tantôt de le dire. As I was saying before. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1er. In the book of Acts of Apostles, chapter 1. À partir du 12e verset jusqu'au 14e verset. Moi j'étais dans Acte 1, mais je vous ai demandé de lire Acte 11, c'est ça non? I was in Acte 1 and I asked you to read Acte of Apostles chapter 12. Que Dieu nous fasse grâce. May the Lord grant us Alors grace. Depuis un certain temps, Since a time, Dieu nous a fait grâce the Lord grant us grace de continuer cette commission, to continue with this commission avec la prédication. With the preaching. Avec les prières. With prayers. Quoi que le visionnaire puisse être absent. Our Father is not, is et not de ces faits, nous serons en train de célébrer we'll be celebrating la personne du pasteur Samuel à cause du leadership établi dans cette nation Pastor Samuel, et dans cette église. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu en acclamant pour lui? In this house. Can you celebrate him? Il a passé deux semaines pratiquement ou deux semaines et demie en train de prêcher, en train de servir He Dieu, spent two weeks en train de construire l'œuvre de Dieu dans la prière. Serving God. Ce n'est vraiment pas facile. Alléluia. It's not easy. Et dans vos prières, souvenez-vous de lui. In your prayer, je crois que Dieu him, ne manquera pas de lui faire du bien. And I believe that the Lord is going to do great Alléluia. With him. Amen. J'aimerais en même temps que l'on puisse célébrer Dieu d'abord pour vos vies. In the same time, I want you to celebrate God in your own life. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous you avez are pris part. You are handsome. Vous avez pris la résolution de prendre part à ce service. Que you Dieu take vous the resolution to come in this service. May the Lord bless you abundantly. Et je crois que Dieu va faire énormément du bien. And I believe that the Lord is going to do great in life of someone this morning. Par la même occasion, j'aimerais célébrer Dieu dans la vie des hommes merveilleux. In the same occasion, I want to celebrate God in the life of beautiful men. Je ne vais vraiment pas me lasser de le faire chaque dimanche. Vous devez. I will not get tired to do it every Sunday. Alléluia. Amen. J'aimerais que l'on célèbre Dieu dans la vie du pasteur Enoch. I want you to celebrate dans God la vie du pasteur Zozo. In life of Pastor dans la vie Zozo. Du pasteur Erika. And Est-ce qu'on peut célébrer Dieu Erika Samba. Pour leur vie? Alléluia. Amen. Chacun d'entre eux. All of them. Ont une grâce particulière. They Alléluia. Have a particular grace. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce dans cette église que nous puissions avoir des docteurs, des prophètes. The Lord grant us grace to have doctors, professors, des évangélistes, pastors, evangelists, des apôtres, apostles, et ainsi de suite. And so on. Je les aime énormément. I love them so Ils font much. Un merveilleux travail. They are doing a great job. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile en fait. It's not Ce n'est easy. Pas facile. It's not easy. Pour un jeune, for a youth, de prêcher aux jeunes. To preach to youth like him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes sont un peu sceptiques.
lorsqu'il est question de jeûne, n'est-ce pas? Youth are sceptic. Mais les parents, lorsqu'ils écoutent le jeûne, when fathers are hearing et qu'ils youth, voient qu'il y a la main de Dieu, and when they are seeing the hand of God upon le scepticisme them, disparaît. Sceptic is going to disappear. Alléluia. Amen. Et je crois que tu es la prochaine personne qui va apporter le réveil dans cette nation. You are a new person that is going to bring something new in this nation. Alléluia. Amen. Tu vas apporter le réveil dans cette nation. You're gonna bring something new in this nation. Mais aligne-toi seulement à la pensée de Dieu. Put yourself in the Actes des of Apôtres, God. Chapitre 1er. Acts of Apostles, chapter à partir du 12e from 12 jusqu'au 14e to verset. 14 verse. Mais moi, je serai en train d'aborder plus particulièrement. Le deux premiers versets, le 12e et le 13e. Particularly, I will talk about the first and the second verse. J'aimerais que, alors que je serai en train de parler de la part du Seigneur, as I will start speaking, j'aimerais qu'alors que je serai en train de nous prêcher, as I will start preaching to you, que l'on puisse être en train de noter, I want us to write down, que l'on puisse me donner vos oreilles, que vous puissiez me donner vos I want oreilles, you to give me your attention, que vous puissiez être en train de vous tenir debout si vous êtes convaincu par le Saint-Esprit, if you are convinced by the Holy Spirit to stand, to que vous puissiez en même temps être en train de prier. And the same time, you can start praying also. Alléluia. Amen. Depuis un certain temps, during a time, durant ce mois de juillet, during this month of July, l'Éternel ne cesse de me presser dans mon esprit. The Lord is pressing me in my spirit. J'ai comme l'impression que l'Éternel me harcèle. I have the impression that the Lord is pushing me so hard. À chaque fois que je lis quelque chose, every time that I read something, l'Éternel me ramène seulement sur la prière. The Lord is bringing my thoughts in the prayer. Alléluia. Amen. L'Éternel me ramène seulement sur la prière. Me always in prayer. Je vous assure, Église, I can assure you, church, j'ai essayé de chercher des thèmes that I try to search for pour ce jour. For this day. Mais l'Éternel m'a ramené encore but à the la Lord prière. Brings me back in the prayer. Je me disais peut-être, voilà, on doit seulement prier. I was voilà. Saying to myself, we're gonna pray, just pray and pray after. Mais après. But after that, hier, alors que j'étais avec un bien-aimé, yesterday when I was with a nous étions en train de converser. We were talking. Il m'a dit, papa, ces derniers temps, il y a beaucoup d'accidents. This time, there is so many accidents. C'est là, wow. I said, wow. Et l'esprit m'a fait comprendre. Tu vois pourquoi vous devez prier. And the spirit let me understand that this is the reason why you were supposed to pray. Tu vois pourquoi vous devez prier. You see why you were supposed to pray. Nous devons prier, Église. We need to pray, church. Alléluia. Amen. Nous devons prier. We need to pray. Nous devons chercher Dieu. We need to search for God. On n'a plus assez de temps. We don't have enough time. On n'a plus assez de temps. We don't have enough time. On avait peut-être avant le temps. We got time before. Mais maintenant on n'a plus but assez. But now we don't have time. Et on doit prier. And we need to pray. Le pasteur Zozo nous a bénis autrefois. Pastor Zozo blessed us last time. Avec la direction divine. With a divine direction. Les jeudis, nous avons eu à apprendre sur l'école de la prière. Thursday, we learn about the school of prayer. Le berger Enoch nous a bénis. Shepherd Enoch blessed us. Le jeudi antérieur. Last Thursday. Avec comme thème Dieu d'abord. With like team God before. J'ai pris les informations à Lefkosha. I take information to Nicosia. Ils allaient dans la même perspective. It is going to the same perspective. Alors que je préparais ce as I was preparing this message. Alors que je priais. When I was praying. L'Éternel m'a convaincu de the parler Lord convinced sur ça. Me to talk about this. Et le thème de mon message de ce matin, and the theme of my message this morning, c'est le retour à la chambre haute. Is the return in the holy place. To the upper room. The upper room. Yeah. Le retour à la chambre haute. The return in the upper room. Le retour à la chambre haute. The return in the upper room. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres. The Bible says in the book of Acts of Apostles. Je vais lire à partir de la partie qui m'intéresse. I will read the part that bring my attention. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais, avant que l'on puisse aller loin, I want us before going so far, nous donner la compréhension, le concept to let us comprehend the concept Alléluia. Of my team. Alléluia. Amen. C'est quoi la chambre haute? What is the upper room? La chambre haute, c'était simplement, chez les orientaux, c'était une chambre qu'ils construisaient au-dessus de leur maison. Upper room was the room that they were constructed above. Alléluia. In the high place in the house. La chambre haute, c'était la plus haute partie de la maison. The upper room was the highly place in the house. Ça veut dire chez les orientaux,
to the Orientals, il y avait des gens qui étaient riches. People were rich. Et ces personnes construisaient même des chambres au-dessus de maisons. Those persons were able to construct rooms up in the high place in the house. Alléluia. Amen. La chambre haute, the upper room, en hébreu d'ailleurs, ça se dit aliyah, mais ça se définit comme pièce sous le toit. But it is defined like a high place in a house. Et la chambre haute, and the upper room, c'était cette pièce là sur le toit. It was that place. C'était cette chambre. On the upper place of the house, it was a room qui servait de repos premièrement. That was serving to rest. Deuxièmement, secondly, c'était une chambre où les gens allaient méditer. It was a room that people went to meditate. Troisièmement, c'était thirdly, une chambre it was a room de la prière. Of prayer. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous puissions comprendre I want us to understand que la chambre haute, that upper room, c'était un lieu de repos. It was la Bible a place dit of rest. Dans le livre de 2 Rois 4, in book of 2 Kings 4, 10, 10 à 11, to 11, c'est l'histoire de Élisée avec la femme Tsunamite. La Bible dit, faisons une petite chambre avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc la chambre haute, c'était un lieu de repos. Upper room was a place of rest. C'était un lieu de repos chez les riches. It was a place of rest to riches people. C'était un lieu de repos chez les nobles. It was a place of rest to noble persons. C'était un lieu de repos chez les rois. It was a place of rest to kings. Mais deuxièmement, ce que la chambre haute nous fait comprendre. But secondly, what the upper room let us understand. C'était un lieu d'accueil des visiteurs. It's a place that we receive visitors. On peut voir dans le cas d'Élie, cette femme a dit, on voit cet homme passer chaque fois ici. I'm seeing this man walking around every time. Construisons pour lui un endroit, il sera en train de se reposer. Let us construct the place that he will rest every time. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que dans le livre de Luc 22, 12, you will observe in book of Luke, Jésus-Christ envoie ses 22. Disciples. Jesus sent his disciples. Alors qu'il institue la Sainte Cène, as he institutes, il dit allez chez un tel. He said go to this. Il va people. Vous montrer l'endroit où on doit prendre le repas. He will show you the place that you're going to take. Et cet endroit là c'était la chambre haute. And that place was the upper room. La chambre haute. The upper room. La chambre haute, comme je l'ai dit, the upper room, as I was saying, c'est le lieu de méditation et de prière. Is a place of meditation and prayer. Ça peut avoir plusieurs formes, la chambre haute. It can have many forms. Dans le cas de Daniel, in the case of Daniel, on peut le lire dans le livre you're gonna read it in the book, de Daniel 6, 10. Daniel 6, 10. J'aimerais que l'on puisse le lire dans la version Darby. I want us to read in version la Bible dit, or Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison et ses fenêtres étant ouvertes, dans sa chambre haute. La Bible dit que Daniel priait vers la direction de Jérusalem. Il était dans la chambre haute. La Bible dit qu'il y a une loi qui a été écrite. La loi des Perses et des Mèdes. Où aucun homme devait prier Dieu. Mais Daniel était retourné vers la chambre haute. Et ce matin, j'aimerais nous dire que nous devons retourner that we need to return back à la chambre haute. In the upper room. La chambre haute veut simplement dire pour nous en tant que chrétiens, the upper room means for us Christians, c'est le retour à la vie de consécration. Is to return in life of consecration. La vie de consécration veut simplement dire la vie de mise à part. Life of consecration is life to be put apart. Ça veut dire la vie d'extraction. Is the life to be putting apart. Ça veut dire la vie de retrait. Is the life of retreat. La chambre haute, c'est le retour à la vie de prière. Upper room is the return to the life of prayer. Église, nous devons retourner dans le lieu de la prière. You need to know how to return back in the place of prayer. La chambre haute veut simplement dire, the upper room means, c'est le retour à la recherche de Dieu. Return back to search for God. Où as-tu laissé Dieu? Where did you left God? Dieu t'attend dans la chambre. The Lord is waiting for you in the upper room. Ça fait de mois que tu ne pries plus. It has been so long that you are not praying. Où as-tu laissé Dieu? Where did you left God? Ça fait de mois que tu as arrêté de lire ta Bible. It has been so long that you stopped reading your Bible. Où as-tu laissé Dieu? Where did you left God? Il t'attend dans la chambre. He is waiting for you in the upper room. La chambre haute, the upper room, c'est le retour à la source. It's to return in the source. Et cette source, nous l'appelons simplement Abba.
And that source is, we call it only Abba. C'est le retour au Père, au Créateur. It's return back to the Father, to the Creator. Ce matin, je n'aimerais pas nous demander de retourner en Éden. This morning, I will not ask you to return to Eden. Ce matin, je veux simplement nous demander de retourner à la chambre haute. But I will ask you to return back to the upper room. En soi, la chambre haute, upper room inside, c'est le transit entre Éden et la Nouvelle Jérusalem. It's the transition between Eden and New Jerusalem. En Éden, on rencontrait Dieu. In Eden, we are meeting God. Il venait, sa voix venait. His voice was coming. Sous une certaine forme. In a form. La voix de Dieu venait le soir afin de communiquer avec l'homme. Mais dans la chambre haute, but in the upper room, nous découvrons une autre dimension we de Dieu. Discover another dimension c'est of ainsi God. Qu'avant que le Messie ne retourne, before Messiah come back, nous ne devons pas retourner à la chambre haute, à Éden plutôt. We don't need to come back to Eden, mais nous allons rester dans la chambre haute. Mon ami, écoute. My friend, listen. Il est impossible que tu puisses te ressourcer si tu ne rentres pas à la source. It is impossible to take new sources if you don't return in the upper room. Et nous devons rentrer à la source. And we need to return back to the source. Alléluia. Amen. Parce que c'est à la source qu'on trouve les ressources. Because in the source that we found resources. Tu ne peux jamais you can never, être un homme fort si tu ne rentres pas à la source. You can never be a strong man if you don't return back to the source. Jesus. Tu peux recevoir des prophéties. You can receive prophecies. J'ai commencé mon message. I started my qui ne s'accomplissent pas. It will never come to non pass. Pas parce que l'homme de Dieu est faux. Not because of men of God. Mais parce que le récepteur de la prophétie n'est pas rentré avec la prophétie dans la chambre haute. Écoute, toute prophétie ne s'accomplit pas seulement comme ça. Every prophecy will not come to pass like that. Il y a des prophéties où tu dois retourner à la chambre haute. There is prophecy that you are supposed to return back to the upper room. Il y a des prophéties qui vont s'accomplir. There is prophecy that will be accomplished. Parce que c'est dans le calendrier de Dieu. Because it's in the calendar. Que le diable te combatte ou pas. But whether the enemy fights Dieu you or not. A déjà marqué cela d'un cachet. The Lord sealed it already. Mais il y a des prophéties pour qu'elles s'accomplissent. But there is prophecy before coming to pass. Il faut que tu rentres à la chambre you haute. Need to return back to the upper room. Alléluia. Amen. Cher chrétien, toute prophétie doit être une occasion pour nous de prier. Christian, every prophecy is like faisons de chaque prophétie un sujet de prière. Let us make every prophecy a subject of prayer. Alléluia. Amen. Écoute, même Joseph, listen, even Joseph, il ne savait pas he didn't know it, que ce propre frère allait se retourner contre his lui. Own brother will betray him. Et maintenant, le plan du monde des ténèbres, the plan of the world of darkness, c'était de retarder Joseph dans le plan de Dieu dans sa vie. Delay Joseph in the plan of God in c'est his ainsi life. Qu'il y a eu une femme qui l'a tenté. That's why a woman came to tempt c'est him. Ainsi qu'il y a eu certains obstacles dans sa certain vie. Obstacles in his life. Le diable sait the devil know que la manière de combattre les paroles de Dieu dans ta vie, that the way to fight against c'est en t'amenant des mauvais amis, is to bring to you bad friends, c'est en te mettant en retard, to put you delay in en your te mettant dans des relations qui ne glorifient pas. In the relation that didn't glorify God. Parce qu'il sait because he know que ces choses vont s'accomplir si Dieu l'a dit. These things will be accomplished if mais God non, toi, ta part en tant que stratège, inside your part, tu dois retourner dans la chambre you need haute. To return in the upper room. En soi, la chambre haute, inside the upper room, c'est le retour de l'arche de l'alliance. Is to return to the ark of alliance. L'arche de l'alliance, ark of alliance, c'était l'arche. It was an ark. De l'arche du traité. It was an ark of treaty. C'était l'arche de la présence de Dieu. It was an ark of c'était l'arche de l'accord. It was an ark of a treaty. Mais l'arche n'est rien. But an ark is s'il nothing. N'y a pas l'alliance. If there is no alliance. De même, la chambre haute n'est rien. It's the same. S'il n'y a pas la prière. If there is no voilà prayer. Pourquoi chrétien. That's why Christian. Nous devons retourner we au lieu de la prière. We need to return back. Il est dit ceci it is said, dans le livre d'Habakkuk, in book of Habakkuk que c'est une prophétie dont le temps est fixé. That it is a prophecy that the time is already fixed. Écoute, même listen, le diable even the devil, sait combattre le temps he know how to dans fight ta against vie. Time in your life. Je vais t'expliquer. Let me explain to you. Dans le livre de Joël, in book of Joel, il est dit je remplacerai I will replace les années qu'on dévorait. The years that le diable sait dévorer les années.
The devil know how to en te mettant en retard. By putting you delay. Voilà pourquoi lorsque tu reçois une prophétie, when you receive a prophecy, rentre avec la prophétie. Return back with the prophecy. Commence à dévorer la prophétie and start eating dans la prière. The prophecy in prayer. Commence à travailler la prophétie dans la prière. Commence à travailler la prophétie. Mais malheureusement, beaucoup regardent sur les prophètes. Unfortunately, many are looking at regarder sur Dieu. Instead of them looking at God. Même les grands prophètes Esaïe, even great prophet a parlé Isaiah, sur Ézéchias. He speak upon Ézéchias. Il allait mourir. He will die. Mais Ézéchias a dit, but Ézéchias said, parce que je suis le décideur de la prophétie, because I'm the one who decides, je vais upon entrer dans la chambre haute. I will enter in the upper afin room. De prier Dieu. I will pray to God. Tu t'es lamenté pendant beaucoup de temps. You wandering le temps many de rentrer times. Dans la chambre haute it is est time arrivé. To return back to the upper tu room. Peux avoir une promesse de la part de Dieu. You can have a promise upon your head. Mais elle ne s'accomplit pas non à cause de Dieu. But it will not come upon mais you à because cause of de God, toi. But because of you. Tu vas te dire, mais pasteur, quelle est ma part dans la promesse? Ask yourself, what is my part in the promise? Ta part, c'est de retourner dans la chambre your haute. Part is to go back to the upper room. Alléluia. Amen. En soi, Dieu n'a pas besoin de travailler sur la promesse dans ta vie. Inside, the Lord don't need to work upon promises in your life. Les hommes, nous, on travaille sur la promesse. Si je te fais une promesse, when men did the promise to you, je peux rompre la promesse. I can break it. Mais Dieu, but God, lui, il a déjà travaillé sur la promesse. He worked upon the promise avant de te l'annoncer. Before announcing to you. Voilà pourquoi Dieu n'est pas un homme pour mentir. That's why God is not a man to lie. Ni un fils de l'homme pour se repentir. He's not a son of man to repent. Ce qu'il dit va s'accomplir. Whatever he said, et va s'accomplir certainement. And it will come to pass. Mais ta part à toi, but it is for you, c'est de retourner dans la chambre haute. To return back to the upper room. Alléluia. Amen. La chambre haute. In the upper room. C'est dans la chambre haute qu'on vit l'accomplissement de la promesse. It is in the upper room that you live the accomplishment of promises. C'est dans la chambre haute qu'on vit. It is in the upper room that you live l'accomplissement des prophéties. The accomplishment of prophecy. Il y a des gens qui ont des prophéties de partout. There is people that receive prophecies everywhere. Mon frère, ça fait 100 prophéties que tu as. Brethren, you have 100 prophecies. Tu n'as même pas encore vécu 2 prophéties. But you didn't live even 2 of them. C'est anormal. Rentre it is not normal. Haute. Return back to the upper room. Alléluia. Amen. J'aimerais que l'on comprenne une chose. I want us to understand something. La Bible dit dans le livre d'Actes des Apôtres, au premier chapitre, in book of Acts of Apostles, chapter à partir one, du 3e verset jusqu'au 5e verset, first to five, Jésus-Christ dit ceci aux disciples. The Bible say, la Bible dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Écoute ce que la Bible dit. Ce que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait donné une recommandation. Jesus gave a recommendation. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Don't go far away from Jerusalem. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'avait jamais dit à ses disciples, Jesus never said to his disciples, allez prier. I go to pray. Jésus-Christ a fait une promesse à ses disciples. Jesus did a promise to his disciples. Moi, je m'en vais. I am going. Je vous laisse avec les promesses. But I am leaving promises. Pour que la promesse s'accomplisse. So that vous devez aussi prendre part à la promesse. You need to take part from la Bible dit ceci. The Bible say, que les disciples sont rentrés. Disciples went back, où ils avaient l'habitude de se réunir. Dans la chambre haute. In the upper room. Jésus-Christ n'avait jamais dit à ses disciples, Jesus never said to his disciples d'aller dans la chambre haute. To go to the upper il a dit restez à Jérusalem. He said, remain parce que Jérusalem c'était la ville principale. Because Jerusalem was a Jérusalem principal c'était city. La ville stratégique. Jerusalem was a strategic Daniel city. Priait la fenêtre ouverte 3 fois regardant vers Jérusalem. Praying, looking at Jerusalem. Jérusalem c'était un lieu stratégique. Jerusalem was a place, strategic mais place. Ce que Jésus-Christ Jesus n'avait pas dit aux disciples, didn't say to disciples c'était de prier. Is to pray. Mais les disciples se sont dit my disciples said to themselves, parce qu'au commencement because at the beginning, nous avions demandé à cet homme de nous apprendre de prier. Ask to this man to teach us how to pray. Et la chambre d'ordinaire and the, c'est où the, on se réunissait is the place that we used to gather. Parce qu'il nous a laissé la promesse because he left the promises. Lui qui a l'accomplissement is the accomplishment. On a le moteur de l'accomplissement we have qui est la prière. We have the ability c'est comme of the ça qu'ils sont rentrés dans la prière. That's why they went up to the prayer. Bien aimé, Dieu peut t'avoir dit que tu seras grand. Prophets can say that you will be a great man. Il va faire de toi la mère de nations. He will make you the mother of nations. Il va faire de toi le père de la multitude. He will make you the father of many. Il va faire de toi le Joseph de sa famille. He will make you Joseph of your family.
Il va faire de toi une femme qui va se marier à un homme riche. He will make you a woman that will get married to a rich man. Ce ne sont que des promesses. These all are promises. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, but what the Lord wants you to do, c'est que tu retournes à la chambre haute. So that you will return back to the upper room. En soi, le retour à la chambre haute. Inside, return back to the upper room. Veut simplement dire. Only means. Retourner. To return back. On avait l'habitude de rencontrer Dieu autrefois. Where we have the habit to contact God every time. Alléluia. Amen. La solution ne vient pas du monde, ça vient de Dieu. The solution we never come from the earth, we come Alléluia. To God. Il n'y a aucun secret de la grandeur dans la vie de l'homme. There is not a great secret of greatness in the life of man. Si ce n'est qu'il puisse rencontrer son créateur. If it is not to encounter your Alléluia. Creator. Amen. Alléluia. Amen. Je peux te donner deux, trois prophéties. I can give you three. 7 ans, 8 ans, ça s'accomplit pas. 7 years, 8 years. Parce qu'il y a des choses que pass. Dieu veut te communiquer particulièrement. Because the thing that the Lord wants to communicate to you particularly. Même dans la promesse. Even in the promise. Dieu n'avait jamais dit à Pierre qu'il allait convertir 3000 personnes. The Lord never said to Peter that he will convert 3000 people. Il a dit je vais vous donner. He said that I will give ce que je vous avais promis. What I promised to you. Mais il n'a pas parlé du bonus de ce qu'il avait promis. Say about bonus of what he écoute promised. Mon frère, pour que tu vives le bonus de ce que brother, Dieu a promis, the bonus of il faut what rentrer promised, dans le lieu de la prière. You need to enter in the place of c'est prayer. Là qu'on rencontre le maître. This is where you will encounter c'est the là master. Qu'on prie. This is where we pray. C'est là qu'on cherche this Dieu. Is where we search là for God. Dans la chambre haute. In the upper room. Alléluia. Amen. La chambre haute. Upper room. Ton service n'a pas d'efficacité jusqu'à ce que tu rentres dans la chambre haute. Your service will never have enough strength if you know, you never enter in the upper Alléluia. Room. Amen. Tes services sont virils. Your service are viral. Tes services n'ont pas de sens et de force. Your service doesn't have senses or power. Sans qu'il puisse avoir une main sur toi. If there is not the hand of God upon you. Et cette main ne vient que dans la chambre and haute. And that hand will come upon you in the upper room. J'aimerais prendre ce deuxième point. On va finir avec ce deuxième point. I will take the second point. We j'aimerais finish. Parler des avantages. I will talk about the liés au retour de la chambre haute. The advantages. J'aimerais que l'on retienne qu'à chaque action de l'homme, il y a toujours des avantages ou des désavantages. There is advantages and disadvantages. Le problème avec la chambre haute, the problem with the upper room, c'est que premièrement, is that first of all, quand on va dans la chambre haute, when we enter in the upper room, on a une nouvelle dimension we de Dieu. Have a new dimension of God. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Somebody understand. Quand on va dans la chambre haute, when you enter in on the a upper room, une nouvelle dimension we de have Dieu. A new dimension of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient partis dans la chambre où ils avaient l'habitude de se réunir d'ordinaire. The Bible says that they went in the room that they used to gather in. Donc il y avait une certaine habitude qu'ils avaient. Il y avait un certain élan. They have an habit to gather in that room. Et cet élan là, and that habit, un jour a produit des fruits. One day produced. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma prière est que Dieu visite quelqu'un puissamment alors qu'il sera en train de retourner dans la chambre haute. When you will return back in your upper room. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu d'une nouvelle dimension dans la chambre haute. God in a new dimension in the upper room. À l'église peut-être tu vis les dieux du pasteur ou les dieux de l'assemblée, maybe les dieux de l'atmosphère. Living the Lord of the atmosphere. À l'église peut-être tu vis les dieux de ton voisin in the church, you are living the Lord of your ou les dieux de ton pasteur parce que tu es sur sa couverture. Or the Lord of your pastor because you are under his cover. Mais lorsque tu rentres dans la chambre haute, tu commences à expérimenter une nouvelle dimension. You will start experiencing the new Alléluia. Dimension of God. La Bible connaissait Dieu the dans la dimension, in a dimension où il s'était formé comme chair. That he formed himself as a body. Mais arrivé un temps où Jésus-Christ n'était plus avec eux, ils ont connu Dieu sur une dimension, sur la dimension de feu. They knew God in a dimension of fire. La Bible dit quelques temps après says, after, que Pierre, alors qu'il était sorti pour annoncer Christ, Peter when he goes, he went out to il était rempli Jesus. D'assurance. He was full of assurance. Alléluia. Parce qu'il avait une autre dimension de Dieu. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que je connais mon Dieu, parce que j'ai une nouvelle dimension de Dieu, ça me donne d'agir avec fermeté. Alléluia. Écoute, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pasteur, alors que je réfléchissais, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que celui qui a écrit Hébreu n'a jamais dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain? Alléluia. La Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. And forevermore. En soi, si on dit Dieu est le même hier, if aujourd'hui say, et demain, the same yesterday, today, and on tomorrow, va les limiter par rapport au temps. We will limit God according to the time. Mais parce que Dieu est un Dieu multisystème, but because he's a God of multi-system, Dieu est un Dieu d'éternité, the Lord is the God of eternity, qu'il a certains systèmes que tu ne comprends pas. There is certain system that you don't voilà understand. Pourquoi il est le même. That's hier, why it's the same yesterday, aujourd'hui, today, éternellement. And forever. Ça veut dire ceci. That means, si aujourd'hui tu vois un miracle qu'il avait fait hier, if today you are seeing a miracle, dans les jours à venir tu verras un miracle qu'il n'avait peut-être jamais fait. That you will see the parce qu'il est le Dieu d'éternité. Because he's God of eternity. Il a des choses dans son carquois. He got things in his manual. Alléluia. Amen. Le retour à la dimension d'Éden nous donne de vivre Dieu sous une dimension différente. Return to the upper room will allow you to live God in another dimension. Hébreux veut nous dire, Hebrew want to say to us, que Dieu n'a pas changé, Dieu est le même, n'est-ce pas? That God never changed. Mais comment est-ce que Dieu maintenant agit? But how the Lord acts? D'une manière différente. In a different ways. C'est parce que Dieu a plusieurs systèmes. Because the Lord has multi-systems. Même que tu n'as pas encore connu de lui. Some you didn't know before. Dieu est multisystème. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui s'est révélé à Daniel d'une autre manière. Is the Lord that revealed to Daniel in another way. Daniel, lui, il avait seulement la capacité d'interpréter les rêves. Daniel had the capacity to jusqu'à ce qu'il ait su que since he knew that, l'avantage de sa chambre haute était un désavantage pour le monde des ténèbres. Advantage of his upper room was on l'a mis dans la fosse aux lions. They put him mais il y avait un Dieu qui savait faire taire les bouches des lions. He got a God that knew how to the mouth of lions. Alors que le roi demandait à Daniel, Daniel, when the king was asked, est-ce que ton Dieu t'a-t-il délivré? Did your Lord liberate you or Daniel répond, you? Oh roi, vis éternellement. Daniel respond, le Dieu que je sers m'a délivré. The Lord that I serve deliver me. Daniel n'avait jamais connu Dieu comme un lion. Daniel never knew God as jusqu'à ce qu'il rencontre un problème dans since la fosse. He encountered a problem with tu lions. Ne connaîtras jamais Dieu comme un lion. You will never knew God like a lion. Jusqu'à ce que tu vives la dimension since de David. You leave the dimension of qui s'est enlevé la brebis de la bouche de du lion et de l'ours. The lamb in the mouth of the Dieu lion. Est un Dieu multisystème. The Lord is the Lord of multisystems. Voilà pourquoi il s'est révélé à Adam comme la voix dans le désert. He revealed himself to Adam. En Éden, il s'est révélé à Adam comme la voix qui parlait. In Eden, he revealed to him as a voice. À Moïse, il s'est révélé comme to celui Moses, qui délivre et qui sauve tout en, the one who deliver, tout en donnant des préceptes. To give some precepts. Lorsqu'il se révèle au juge, when he revealed himself to judges, il se révèle comme le Dieu qui délivre son peuple. He revealed like the Lord who deliver his people. Lorsqu'il se révèle à David, when he revealed himself to David, il se révèle comme le Dieu qui distingue dans les batailles. He revealed like a God who brings distinction in the battles. Lorsqu'il se révèle à Élisée, à Josué, when he revealed himself to Elijah, il se révèle comme un Dieu qui peut faire les doubles avec la génération à venir, like a God par rapport à ce qu'il a fait avec la génération de père. Lorsqu'il se révèle à Miché, when he revealed to Mika, il se révèle comme celui qui est assis sur le trône. He revealed himself like the one who sits on the throne. Il se révèle comme celui qui est debout. To Etienne, he revealed himself like the one who's standing. Lorsqu'il se révèle à Esther, when he revealed to Esther, il se révèle à Esther comme conservateur du trône et protecteur du peuple. Like the conservator of the throne. Lorsqu'il se révèle à Ruth, when he revealed himself to Ruth, il se révèle à Ruth comme le Dieu de la faveur. He revealed to her like a God of favor. Lorsqu'il se révèle dans les psaumes, when he revealed himself to Psalm. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Say, God is my il se révèle comme mon berger. And I shall not want. Lorsqu'il se révèle à Simon Pierre, when he revealed himself to Simon, il se révèle à lui comme la clé de l'église. He revealed like the stone of the church. Et lorsqu'il se révèle à Paul, when he revealed himself to Paul, il se révèle à Paul comme le soleil levant. He revealed like a rising sun. Et lorsqu'il se révèle à nous les when disciples, when he revealed to us disciples, il a envoyé un avantage. He sent the advantage. Il a dit je ne vous abandonnerai pas. Say that he will never abandon us. I will send to you a consolator. Il a envoyé le Saint-Esprit. He sent the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est ton avantage. The Holy Spirit is here. Le Saint-Esprit est ta dose. The Holy Spirit is your dose. Le Saint-Esprit est le secret de la chambre. The Holy Spirit is the secret of the holy place. J'aimerais que l'on rentre. I want us to return dans les lieux de la chambre haute. To the upper room. Parce que c'est là qu'on rencontre because Dieu. Because this is where we encounter God. Je n'ai jamais été fort jusqu'à ce que j'ai connu Dieu. I never be a strong man before. Alléluia. God. Peut-être que Dieu t'a rencontré dans une certaine dimension. Maybe the Lord encountered you in a certain dimension. Des visions noires et blanches. You are seeing il s'est révélé à Esaïe comme le Messie. He revealed to Isaiah like Messiah that will come. Alléluia. Amen. Il s'est révélé à la fête de Cana. He
feast, to the feast, to the party of Cana. Comme les dieux qui s'est transformé les vins. Like the Lord who knows to transform wine. Et aujourd'hui il continue à se révéler. And today he keep revealing himself. Par le chant avec les choristes. By songs with il continue à se révéler. He's revealing. Par des visions et des songes aux prophètes. By vision of il continue à se révéler. He continue to reveal himself. En envoyant des hommes comme des apôtres. By sending men like apostles. Il continue à se révéler. He's revealing himself. En envoyant des évangélistes. By sending evangelists. Tu as encore des gens dans son carquois. The Lord has people. Auxquels il se révèle. He revealed to them. Il se révèle aux choristes. He revealed to choristes. Il se révèle aux instrumentistes. He revealed himself to instrumentalists. Dieu se révèle même aux politiciens. He revealed himself to politicians. Parce que Dieu est multisystème. Because it's a multi-system. La chambre haute. Upper room. Assieds-toi. You can take back your seat, please. Lorsque nous retournons dans la chambre haute, when we return back in the upper room, nous devenons un instrument recherché. We became a searchable instrument. La Bible dit ceci. The Bible says this. Qu'après que ces hommes after that, those men, quitté, they left la chambre haute, the upper room. Il y avait eu la panique dans les villes. There were panic around the city. Les choses se disaient. Things were saying around. People ils were talking recherchés. Around. They were searching il for them. Il y avait la frayeur, il y avait la crainte. There were fear. Écoute, il y a une dimension de la vie de l'homme. Hein, there is a dimension in life of man. Où il est recherché non pas parce qu'il a commis un crime. Where they are looking for him not because he commit a crime. Mais parce qu'il a rencontré but because he encounter Dieu. God. Alléluia. Amen. On te cherche non pas parce que they are searching for you not because non pas parce que tu as commis un crime because you commit a crime. Mais parce que les hommes commencent à voir en toi but because men start seeing inside of you. Le porteur de celui qui a la solution à tout. The carrier of the person that have solution to Alléluia. Everything. J'aimerais dire à quelqu'un la chambre haute a une odeur bonne. I want to say to someone. Ça fait en sorte que même les hommes. Comment expliquer que les prophètes on allait les chercher? How can you explain that prophet people were pour qu'ils puissent guider le peuple? So that they will lead people. Parce qu'ils restaient à la chambre haute. Because they used to stay. Pour eux, la chambre haute c'était rester dans les montagnes pour chercher Dieu. Upper room stay in a mountain to search for God. Alléluia. Amen. Et ma prière est que l'on commence à te chercher. And my prayer is that people will start searching for you. D'ailleurs, le fait d'abord que tu aies accepté Jésus-Christ. The fact that you accept Jesus. Est-ce que tu sais que Dieu a fait de toi un ambassadeur? Do you know that the Lord make you tu connais an un ambassadeur, c'est qui? Do you know an ambassador? Un ambassadeur, c'est quel? C'est un président, en fait. An ambassador is a president. Je t'explique. I will explain c'est un représentant d'une nation dans une autre nation. Is the person that represents a nation. Il est la première personnalité qu'on voit en cas de problème. Is the first personality that we will see in a case of problem. Ça, c'est un ambassadeur. This is an ambassador. Regarde, si tu es ambassadeur. If you are ambassador. De la RDC. Of DRC. En Zambie. In Zambia. On t'envoie en Zambie. They send you to Zambia. On te donne la sécurité. They will give you. Zambien. The security from Zambia. On te donne la sécurité congolaise. They will give you the security of Congo. Et on se rassure qu'à chaque fois qu'il y aura des problèmes dans and la communauté. And they will make sure that every time that the community have problems. Que tu sois la personne qu'on va chercher. That you will be the person that they will send. D'ailleurs, même pour le visa. Even for visa. On a soit besoin d'aller à l'ambassade ou au consulat, n'est-ce pas? You need to go to ambassade. Mais non toi. To embassy. Pour que tu libères des vies. So that you will liberate life. Tu as déjà les cachets qui ont en toi qui est le Saint-Esprit. You receive the seal of the Holy Spirit. Voilà pourquoi on doit toujours te chercher. That's si on te cherche pas c'est anormal. That's why people need to search for you. If Alleluia. People search for you it's un not ambassadeur. Normal. An ambassador. Un ambassadeur c'est un représentant légal. An ambassador is a legal representative. Un ambassadeur c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. It's somebody that we can never touch. C'est comme ça que Dieu avait permis même quand on a essayé de toucher à Joseph. This is why the Lord allowed when they wanted Dieu avait to permis Joseph. Que les choses puissent travailler en sa faveur. The Lord allowed things to work for his favor. Parce que c'est ça Dieu. Because this is God. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu, c'est ça le système this de is Dieu. God. This is the system of God. Alléluia. Amen. Kaira Flavia. Jesus. Et l'avantage de retourner dans la chambre haute. And the advantages to go back to the upper room. C'est quand tu retournes dans la chambre haute. When you enter back in the upper room. Tu es chargé. You are charged. Alléluia. Tu es chargé. You have enough charge. Tu es chargé pour donner solution aux problèmes. You have enough charge to give solution to problems. Tu es chargé pour affronter les problèmes. You have enough charge to fight against problems. Bien-aimé. La chambre haute, the upper room, le retour à la chambre haute the return to the upper room, concerne les personnes
qui étaient dans la chambre haute, mais avec une petite dimension, concerne les personnes qui n'ont jamais été à la chambre haute, concerne les personnes, concerne les personnes qui étaient dans la chambre haute mais qui ont quitté. J'aimerais ce matin, alors que je suis en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de mon message, dire à quelqu'un: est-ce que tu es toujours dans la chambre haute? J'aimerais poser à quelqu'un la question: est-ce que tu es toujours dans la chambre haute? Le retour de la chambre haute veut aussi dire le retour de la présence de Dieu dans ta vie. Où est-ce que tu as laissé Dieu? Depuis que tu as rencontré ses amis, où est-ce que tu as laissé Dieu? Depuis que tu as commencé cette relation, où est-ce que tu as laissé Dieu? Depuis que tu as commencé à travailler à cet endroit, où est-ce que tu as laissé Dieu? Les dieux qu'on abandonne aujourd'hui, on les cherchera demain. Voilà pourquoi il est important que l'on rentre dans la chambre. Aujourd'hui, la chambre haute est devenue comme un lieu de divertissement. Today, the upper room is a place of leisure. Il y a des gens qui viennent ici dans la chambre haute. Alors que nous prêchons, nous prions, nous acclamons pour prier, il y a des gens qui nous regardent. C'est comme si on est venu comme par aventure. Alors que nous allons dans la chambre haute, il y a des gens qui manipulent leur téléphone. Alors que nous allons dans la chambre haute, il y a des gens qui regardent ce que leurs voisins ont mis comme vêtements. Alléluia. Il y a des gens qui regardent les cheveux des autres. Alléluia. La chambre haute. In the upper room. Et nous les chrétiens, on a minimisé. And we Christian, we minimize the upper room. On a rendu à néant. We minimize it so deeply. On est tellement des chrétiens qui se suffisent de ce qu'ils ont vécu avec Dieu hier. We are Christian that non, il y a encore plus. That feel fine with what you have. Plus. There is more to search. Il y a encore plus. There is more to search. Il y a des Catherine Kuhlman que Dieu doit élever dans cette nation. There is a Kathleen Kuhlman. Mais tu dois entrer dans la chambre haute. But you need to enter in the. Il y a des Haïtiens à Bala que Dieu doit élever dans cette génération. Mais tu dois rentrer dans la chambre haute. Dieu n'est pas un Dieu improductif. Dieu n'est pas un Dieu de oisif. The Lord is not the Lord that we know the Dieu est un Dieu qui se révèle à ceux qui rentrent dans la chambre haute, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu n'est pas un divertissement pour nos vies. The Lord is not a leisure for our life. Dieu est un Dieu qui produit en nous quelque chose afin que nous produisions. Inside of us so that we'll be productive. Dieu est un producteur qui produit pour que ceux qu'il a produits puissent aussi produire. The Lord is the one who produces. Mais toi, tu es là, tu ne fais rien. Église, tu ne veux pas aller. Suivre un culte en ligne, tu ne veux pas. Chez toi, à la maison, prier, tu ne veux pas. Mais lorsque tu nous exposes les problèmes que tu as, ça nous dépasse aussi la tête. When you came with the problem, it's more than. Dieu veut élever un sacrificateur dans la famille. The Lord wants to raise a priest in his family. Mais est-ce que tu es prêt à retourner dans la chambre haute? But are you ready to return back to the highly place or to the upper? Dieu veut élever des hommes et des femmes qui seront en train d'enflammer dans cette nation. Women that will bring fire in this nation. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? But are you ready to pay the price? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Are you ready to pay the price? Même Simon avant il était Cephas. Parce qu'il était Cephas avant. Even Simon was Cephas before. Parce qu'il vacillait ça et là. Because he was touching this, contre tout vent. Jusqu'à ce qu'il ait rencontré le Seigneur. Jésus a dit à Simon: Simon, Jesus said to Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme les froments. The devil claimed mais moi j'ai prié pour but toi. Me, I pray for lorsque you. Tu seras converti, affermis tes frères. When you be convert, put yourself in the life avant of que Simon puisse se convertir, before Simon come to il God, fallait qu'il rencontre d'abord le Saint-Esprit. He was supposed to encounter the Holy Spirit. Avant qu'il rencontre le Saint-Esprit, before encountering the Holy Spirit, il fallait qu'il soit d'abord dans la chambre haute. He was supposed to be in the upper room. Retourne à la chambre haute. Return back to the upper room. Retourne à la chambre haute. Return back to the upper room. Ça te coûte quoi de rester avec Dieu une heure? How does it cost you to stay une heure, c'est le temps que tu dépenses. Is the time that you spend pour parler avec ton partenaire au téléphone une heure. Partner on the phone. Mais Dieu, but God, même pas 10 minutes. Even 10 minutes you are not able to do. N'avez-vous pas vu des miracles dans cette maison? You never n'avez-vous seen pas vu Dieu agir house? Ici? You didn't see God acting in this house. C'est parce qu'il y a des hommes quelque part. Because there is men somewhere qui prient, that pray, that used to pray.
Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a des hommes qui cherchent Dieu. Because there is men that are searching for God. Église, Dieu nous appelle à retourner dans la church. The Lord is calling us to return. Retourner véritablement. Return. Retourner véritablement. Return truly in the upper room. Retourner là-bas. Return to the upper room. Dans le lieu où on sera avec Dieu. Dieu seul nous comprend. The place that we will stay only with God. Les amis ne te comprendront jamais comme il le faut. Les amis peuvent t'abandonner, te critiquer, te haïr, mais Dieu te connaît. God knows you. Rentre encore au trône de grâce. Return to the throne of grace. Rentre encore à la chambre haute. Return to the upper room. Dieu a besoin d'un intercesseur qui doit envoyer aux nations. The Lord need a prayer warrior. Mais Dieu veut d'abord que tu rentres. The Lord wants you to return back. Dieu a besoin d'une intercesseuse qui l'enverra dans la famille. Mais Dieu veut que tu rentres. Dieu a besoin d'un pasteur qui l'enverra auprès des brebis. Mais Dieu veut qu'il rentre, que tu rentres. Dieu veut que tu rentres dans la chambre haute. Dieu veut que tu rentres. Je regarde la chambre haute. I look at the upper room. La Bible dit qu'il y avait des hommes et des femmes. The Bible said that there were men and women. Je m'imagine qu'à cette période il y avait des femmes qui n'avaient pas de cabello. I would just imagine that there were women. Je m'imagine qu'à cette période il y avait des hommes qui n'avaient pas de robes. I believe that those men didn't guard also tous clothes. Qui n'avaient pas de vestes. They didn't guard like clothes like tous ceux qu'ils avaient c'était des robes. Whatever they had was their peut-être qu'ils portaient ces vêtements pendant plusieurs jours. Maybe they were wearing the same clothes for many mais tout days. Ce qu'ils avaient c'était un espoir de voir Dieu. But what they had it was the faith. Ils voulaient tellement voir cette promesse they qu'il leur avait faite. Promises of God upon their life. Dieu nous a fait une promesse qu'il va nous utiliser. The Lord grant you grace that he will use you mightily. Mais quelle est ta part dans but what ça? Is your part in all those things? Quelle est ta part dans tout ça? What is your part in all things? Tu viens à l'église, c'est bien. You are coming in the church, it's good. Tu viens le lundi pour you la prière, c'est bien. Monday, it is good. Tu viens le jeudi pour l'enseignement biblique, c'est bien. You come on Thursday, it is good. Le dimanche, tu viens, tu chantes, tu danses, c'est bien. On Thursday, you come, you dance and you sing. It is good. Mais est-ce que toi-même, dans ta maison, tu as créé une église? But yourself, did you create a church in your house? Où tu peux commencer à parler avec where Dieu? You can start speaking to God. L'ironie, c'est d'aller à l'église sans pour autant être une église. To be an ironic person is going to the church without being a church. L'église yourself. Veut simplement dire mis à part, ecclésia, appelé hors church d'eux. Means to put apart, called apart. Et Dieu nous a appelés hors d'eux. The Lord called us to be a part of. Paul nous le confirme en nous disant ne vous confiez Paul pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Don't conform yourself to this century. Ne vous conformez pas. Don't be soyez transformés. Be transformed. Dieu nous appelle là, là. The Lord is calling us in the quelle est la dernière fois que tu avais une vision? What is the last time that you received a vision from God? Ce matin, j'aimerais réveiller la soif de quelqu'un. This morning, I want to bring your thirst come back. Ce matin, j'aimerais ramener quelqu'un au trône de grâce. I want to bring you to the throne of grace this morning. Ce matin, j'aimerais que tu rentres au trône de grâce. I want to return back to the throne of grace. Tu as beaucoup regardé sur les hommes de Dieu, ils ne t'ont aidé en rien. You look regarde at maintenant men of à Dieu. They didn't help you. Look tu as beaucoup cherché des consultations avec you des serviteurs, des servantes. Le temps de regarder à Dieu est arrivé. You search for consultation to men of God, but the time c'est dans la chambre haute que tu vas connaître encore le Saint-Esprit plus. Know the Holy Spirit. Qu'est-ce que ces hommes avaient de particulier si ce n'est que Dieu? What that those men got particularly if it's rien de plus God. Si ce n'est que Dieu more dans leur cœur que nous avions appelé par la suite dans Saint-Esprit. That we call the Holy Spirit. J'aimerais qu'on se lève. I want us to be on our feet. Et qu'on puisse prier un instant. And we will pray for a moment. Rallume ta soif ce matin. Bring your fire. Rallume ta soif ce matin. Bring your fire again. Crée un sujet de prière ce matin. Create a subject of prayer. Je suis venu parler à un cœur ce matin. I am here to speak tu dois rentrer encore au trône de grâce. I want to return back to the rallume ta throne of soif ce matin. Bring your fire again. Je suis venu encore parler à une âme. I came to speak to a soul. Tu dois retourner return à la chambre. To the upper room. Je suis venu parler à une vie. I am here to speak tu to dois rentrer là. That is supposed to return them. Je suis venu parler à une vie. I am here to speak to a life. Tu dois rentrer là. That is supposed to return them. Perreni me sali verasea. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Dieu
a besoin de toi, frère. God needs you, brother. Frère, Dieu a besoin de toi, sœur. Sister, God needs you. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. God needs you, beloved. Dieu a besoin de ta vie. God needs your life. Mais crée une atmosphère de soif. Crée une atmosphère de soif. Create an atmosphere of thirst. Je suis en colère parce qu'il y a des hommes qui ne cherchent pas Dieu. Je suis en colère parce qu'il y a des femmes qui sont oisives. Le temps de chercher Dieu est là. The time to seek for God is now. On est fatigué de vous supplier à chercher Dieu. To beg you to seek for God. Comme si c'était nos vies qu'on suppliait. As if it was for our life. Dieu est là ce matin. God is here this morning. Il m'a promis qu'il est là. Il m'a promis qu'il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans les prières, allume encore cette flamme-là qui s'est éteinte autrefois. Rallume-la encore. Rallume-la encore. Rallume-la encore. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey, Solemania, Veraceli, Veradio.
ce matin. La main de Dieu est là ce matin. Il est là ce matin. Il m'avait promis qu'il allait être là ce matin. Sois seulement sensible. Oublie les amis un instant. Prie Dieu. Et la brada. Et la soleva et de l'os. Et révélé les bouches. Et je sais. J'aimerais que ceux qui prient puissent continuer à prier. I want those who are praying to keep praying. Je sais que je n'ai pas une belle voix pour chanter, mais il y a un chant qui me vient, un chant de l'esprit qui me vient. La parole va m'aider, ce chant est simple. Ce chant dit simplement. Ma Mésaïa, ma Mésaïa, ma Mésaïa, ma Mésaïa, ma Mésaïa, ma Mésaïa. Simplement ces paroles-là. Ma Mésaïa, ma Mésaïa, ma Mésaïa, ma Mésaïa, ma Mésaïa, ma Mésaïa. Continue à prier. Pendant que Dieu est là, je le sens sur moi fortement. Je le sens très fortement sur moi. Il est là. Il est là. Je le sens tellement fort. Il est là. Il est là. Il est là. Ma Messiah, ma Messiah, ma Messiah. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Akune, oh Yeshua, Lion of Judah, Akune, oh Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua, Lion of Judah, Jesus, oh, Yeshua, Yeshua, Messiah, Lion of Judah, Jesus, oh, Yeshua. Oh Yeshua, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Akune Chema. Si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne,
J'aimerais partager des choses que l'Éternel m'a mis à cœur pour quelques personnes. I want to share some things that the Lord put in my heart for a few people. Particulièrement pour cette nation. Particularly for this nation. L'Éternel m'a mis à cœur autrefois alors que j'étais en train de méditer, alors que j'étais en train de marcher, alors que je réfléchissais. While I was thinking and walking, the Lord put something into my heart. Il m'a dit qu'il sera en train d'élever l'étendard de son nom dans cette nation. He told me that he is going to elevate. Deuxièmement, il m'a dit qu'il sera en train d'élever des personnes qui vont servir véritablement. Dans le jeûne, la prière et même la consécration dans cette nation. Il m'a dit qu'il sera en train d'élever deux femmes, troisièmement. Il sera en train d'établir comme des ressources financières pour trois raisons. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, premièrement. Deuxièmement, pour soutenir, pour être des aides pour des familles. Et les personnes démunies. Et troisièmement, and for people that I need. Pour leur famille en particulier. And for their own families. Quatrièmement, il m'a mis à cœur de dire à quelqu'un qui va élever des gens dont il rendra les noms grands. Cinquièmement, il m'a dit qu'il élève des gens qu'il connectera aux grandes personnalités. He told me that he will connect. Je parle aux gens qui sont à Chypre et qui ont piétiné cette nation. I'm talking about people that are in Cyprus. Il m'a dit qu'il sera en train d'élever des gens à qui il donnera des idées. He will elevate people that he will give ideas. Alors qu'il a fini de me donner cette pensée, when he gave me that thought, je me suis posé en moi la question, c'est quelle sera l'exigence de ces choses. What will be the requirement of those il m'a donné certaines exigences. He gave me some il m'a dit de nous dire de garder nos cœurs. First of all, let keep our heart. Et deuxièmement, de rester toujours auprès and de secondly, lui. Let remain at his feet. Hier alors que je priais pour ce message, I was praying for this j'étais message, fatigué. I was tired. Je me reposais un moment. I was trying to rest. Mais la matinée, l'Éternel est en train d'embrouiller mon esprit avec but des visions des songes. In the morning, the Lord kept bringing vision. J'ai à voir la sœur Christie. I saw the sister Christie. Être comme dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes. Being as in a place with a crowd. Mais il y avait des personnes qui étaient comme des stars. Des but personnes some qui étaient comme were like stars, des personnes qui se retrouvaient dans la vie. People that were good in life. Mais après un moment, j'ai vu comme un signe quelqu'un sorti de l'argent pour lui donner. But after a moment, I saw like someone removing quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? When I woke up, I asked, Lord, what does it mean? Apprends-moi la compréhension de cette vision. Please help me understand this et l'Esprit vision. M'a mis à cœur de dire à la sœur, ne t'inquiète de rien, Dieu est avec you, toi financièrement parlant. The Lord is with you financially. Parce qu'il y a des temps où tu seras en train de passer des moments compliqués financièrement parlant. But the... Il m'a mis à cœur de te dire, quand tu passes ce moment-là, ne regarde pas auprès des hommes. When you are struggling financially, don't look at les hommes, lorsqu'ils te donnent, ils attendent quelque chose en retour. Men, when they give you, they are expecting something in return. À chaque fois que tu seras en train de regarder aux hommes, tu seras every déçu. Time that regarde you à Dieu. Il m'a mis à cœur de te dire cela. He told me to et je sens que Dieu va te bénir financièrement. I feel that the Lord will je l'ai vu dans mon esprit. I saw it in my je l'ai vu dans mon esprit. I saw it in my spirit. Que Dieu bénisse son assemblée. The Lord bless his church. Kama mulima wa Sayuni usiotikisika.